Wow, une nouvelle carte. Romantico Bolin. Moi, je pensais pas que j'obtiendrais quelque chose d'intéressant là parce que. Ben, je savais que j'aurais obtenu encore un ballon. J'ai obtenu 3 fois des ballons dans mes autres tirs. Donc, 3 fois des ballons. Une fois dans chacun de mes 10 tirs. Mais quand même, 3000 pièces, c'est beaucoup. Puis là, l'étiquette des pilotes, il est 3 fois. Ça, c'est le fun, ça. Puis j'ai obtenu l'étiquette d'étoile. Pas d'étiquette presto, ça, c'est pas grave. Mais quand même, un beau kart. Wow. C'est quoi, ce kart-là? Ok. Passons plus, puis. Un bolide romantique, eh bien. C'est fait pour Waluigi, ça. Bon, ok. Donc, c'est le seul. C'est le seul. Éléments que j'ai reçus dans mes 30 tirs. Tout le reste, c'est soit des tickets presto, j'ai eu 12 rubis, j'ai eu 1000 pièces. Des tickets de limite de points d'aile puis de cartes. Tickets d'étoiles, c'est à peu près ça que j'ai eu. Mais j'ai pas eu de pilote, j'ai pas eu de cartes non plus. Puis là, il arrive ça. Alors, tant mieux, c'est. Tant mieux, autant mieux, au moins j'ai. Oui, en tout cas, je suis bien content d'avoir un code que j'avais pas dans ma collection. Puis c'est possible aussi d'obtenir des tickets de capacité ultra rare aussi. Parce que hier, j'ai vu une vidéo de Dragon 155 qui avait fait un streaming sur ses 30 tirs. Puis les 20 premiers tirs, ben, il a obtenu un personnage, il a obtenu un ticket de limite de points, un ticket de capacité de pilote que tout le monde rêve d'avoir. En tout cas, quand j'ai vu ça, ça veut dire que tout est possible. Puis après ça, il y a eu quelques rares aussi. Je pense qu'il y a eu un kart raw d'après moi, si je me souviens bien. Puis il y a eu, je pense, 2 ballons. Moi, j'en ai eu trois. On va aller voir ça. Les ballons que j'ai reçus. J'ai eu un Lakitu. Ben, celui que vous avez vu précédemment. Savez-vous quoi? Dès la première fois que j'ai joué DS Maison de l'Aube, ok, paf, combo complet à 108 combos. 36K, oui. Et ben, c'était fou avec 2 frénésies, dont une frénésie de pièces en plus. Puis 2 fois boîte à pièces. Simple. Voilà, on va voir tout ça. Ça, c'est Mario Peach. J'ai obtenu lui. Et le Paratoopa. Que vous n'avez pas vu. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc, on peut recevoir n'importe quoi dans nos 30 tirs. Lorsqu'on tire des tuyaux pour le mode multijoueur. Oui, le mode multijoueur, maintenant, on peut faire des tirs de tuyaux gratuits, mais pour cela, il faut accumuler des points en jouant en ligne. Puis une fois qu'on a accumulé 10 tirs, ben, on peut faire 10 tirs. C'est 10 tirs chacun. On peut en faire maximum 30. 10 à la fois. 10 tirs à la fois. Oui, je me prends un peu d'avance parce que je vais recommencer à travailler à partir de demain. Oui, un retour progressif au travail. Puis, puis après 6 semaines, ben, je retombe sur mon 40 heures. Fait que, donc, petit à petit, ben, il y aura moins en moins de vidéos fréquentes. Mais il y en aura encore pour Mario Kart Tour pour les défis journaliers. Sur ce, bonne soirée.